Oh. Ouh. Y a-t-il une musique là-dessus? Non. Il n'y en a pas encore, j'ai pas le temps. J'ai pas. J'ai pas. J'ai... Ben, il y a une explosion, par exemple. Bang! Hey, salut tout le monde! On est dans le boss à soir. On se promène. En green screen. On a Bandy London, Peter Sacoche et Elzig GG. Salut! Ça va, les boys? Ça va, tout le monde? Yes! Ouais. Ça va où est-ce qu'on s'en va ce soir? Ottawa. Ottawa, qui... Là, ça va Ottawa. Ottawa. Ben là, moi, c'est pas une affirmation, là, c'est un guess là, que je faisais. Ouais, je sais pas. Non, mais Ottawa, c'est tough pour entrer, hein? Ok, ouais, là, ça commence à sentir la truite un petit peu. Faudrait peut-être l'enlever. T'es là depuis la semaine passée. Hey, on a plus de bancs. On a deux bancs de plus. Fait qu'on peut embarquer jusqu'à 7 personnes. Fait que, non, non, on a autant de bancs qu'avant. Je suis en train de me demander où est-ce qu'ils étaient les bancs extra. J'ai laissé j'étais après compté, finalement. On en a autant qu'avant. C'est rendu un double decker comme à Londres. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas de caméra au deuxième. Non, mais... Non, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui peut s'asseoir à terre dans le milieu de la place en arrière, mais lui, il est responsable de la porte quand on tourne à droite. Faut qu'il fasse attention parce qu'elle rouvre, faut qu'il referme. Ah, shit, à ta minute, t'es pas prête, celle-là. Peter, il a mangé un tube. Peter, t'es-tu du genre à manger des tubes? Moi, manger un tube? Non. Qu'est-ce que tu fais qu'il y a un pot de Quaticook sur ton bureau, Noël? C'était pour faire son effet sonore de tube. Ben oui, c'était pour faire mon bruit de tube, là. Hey. Okay, okay. Ça, c'est le tube ou le bonhomme carnaval. Carnaval, mon avoué, carnaval. J'ai fini le carnaval, tu peux aller fondre là-bas. Oui, comme... Oh! Ben, fuck le petit programme là, qui sert pour faire des filtres, là. Hein? Ben... Quand tu peux te gosser une moustache en papier. Tabarnak, on dirait un propriétaire de Plymouth verte tout d'un coup. Bienvenue dans le véhicule. Sinon, ça peut faire un esti gros mono-sourcil. Je vais te dire, depuis que j'ai haute vitesse, mon imagination a pris le bord. On a la TV aussi, j'ai installé la TV. Tabarouette. Merci, ouais. T'as pimpé ton cannabis, hein? Ben oui. Un flat screen à l'avant. Et... Rétractable dans le toit. On est dans des postes de télé. On va sur le talk show. On se promène un peu partout. Sur des fausses émissions. On fait des fois certaines émissions spéciales comme la chasse. Là, on était à la pêche. Chasse du monde. On va voler des dépanneurs en chaloupe des fois. Mais à soir, on est assis dans un autobus puis on s'en va quelque part, on sait pas trop où encore. Ah, ça me donne vraiment le goût d'une nasty grivoise, là. On peut parler de air fryer aussi. Ça enlève le faim, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme parler de ses impôts pendant un moment d'intimité. C'est comme, ben, des chances, ça s'arrête là. T'es en train, tu sais. On a-tu reçu notre carte? Lui, honnêtement, je le renverrais dans son pays. C'est où le pays des Yétis? Fouille-moi, dans son pays. Penses-tu que le monde qui utilise cet argument-là, il est des génies de géographie, coudon? Ils font juste ça parce qu'ils ont de la misère avec eux autres même. C'est pas la Yétini. Ouais, la Yétini. Le pays des Yétis. La Yétini. Faudrait demander. Tu sais que ça vient, Nasty Yéti. La Yéti Herzégovine, peut-être. Y'en a pas un qui passe dans le bout de ta cabane? Un Sasquatch. Non. Ouais, c'est ça, c'est plus un Sasquatch. Il est plus brun, le mien. Les Yétis sont plus dans le blanc. Peut-être parce qu'ils sont plus vieux. Ben, les Yétis, je pense que c'est les montagnes, je pense. C'est qu'ils sont, tu sais,
c'est pour se camoufler dans la neige des montagnes. Tandis que les Sasquatch puis les Bigfoot, c'est plus pour... Mais hey, on sent, je pense que, Chris, le Centre Paul Sauvé, c'est pas à gauche au bout de la rue. Il me semble qu'il y a de la lutte la semaine prochaine, le temps qu'on se rende. Oui, mais là, savoir si c'est à gauche, je pourrais pas dire. Non, habituellement, je me fie aux chauffeurs d'autobus. Oui, mais il me semble que tous les chemins mènent au Centre Paul Sauvé. Ouais. C'est De Gaulle qui avait dit ça, je pense. Ouais, ouais, César De Gaulle. Chemin mène à Centre Paul Sauvé. Mais qu'est-ce que le public sait pas, c'est que tout ça est pré-enregistré. C'est que ça donne juste que le chat dit qu'est-ce qu'on fait. C'est... Oui. On a fait ça le 22 février. Ah, oh, on est en rediffusion, là. Avec ce bouton-là. Faire ça comme ça. Il spin. Hein? Oh! Hey, ça fait du bien. Je commençais à avoir un peu la nausée. Non. T'es arrivé au Centre Paul Sauvé. T'es pas supposé d'arriver tout de suite au Centre Paul Sauvé, ben. Surtout quand on arrive en... Ouais, mais c'est proche, hein. Tu sais, quand on arrive en ville par Pinneuf, là, on va jusqu'à Beaubien, puis c'est direct. Ah, ben ça, c'est tout de suite après le rond-point, là, sur... Le rond-point, après ça, on arrive dans la ville. Puis, C'est quoi qu'il va y avoir ici? C'est le tournoi de trou de cul annuel? Non, il va y avoir un match de lutte la semaine prochaine. On va avoir des bonnes places. Ouais, puis je m'inquiète encore. Avez-vous revu la truite ou... Non. Non, hein? Bien sûr, salut tout le monde. Hey, on a deux super beaux invités. On a les deux oreillers orange du sofa. Hey, salut, je suis un oreiller. Hey, salut, bro. Ça va bien? Je trouve que c'est un peu insultant. On n'est pas des oreillers, on est des coussins décoratifs. Ouais, on est les cousins coussins. Les cousins coussins. Bon, ben bonjour les cousins coussins. On vient de loin, on vient de la Scandinavie. Ok, fait que vous venez du IKEA. Ah, écoute, moi j'ai une question. Aimez-vous ça vous faire tâter de côté de même? Tu sais, comme ça, là. Personnellement, j'aime mieux... Moi, j'aime ça me faire tâter de chaque côté. Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand il y a quelqu'un qui a été suivre une thérapie et qui sert de moi pour crier dedans moi. Ça j'aime moins ça, là. C'est tout ressentir la colère et la frustration du monde, c'est comme... dealer donc avec vos affaires avant de vous en prendre à des pauvres coussins. Ça va valoir si on pogne la TV. Qu'est-ce qu'il y a à la TV? De la neige. Chose à TV. Je pense qu'on n'a pas payé le câble. Enfin, c'est pas toi qui fais le câble. Ouais. On était le câble, on n'avait pas besoin de le payer. C'est ça. Coussin, fait combien de temps vous êtes cousin? Oh, à peu près notre naissance. Là. Fabrication. Moi, j'étais une usine à côté de la sienne. Moi, mes parents étaient des bottes. T'es des quoi? Des bottes. Ouais. Ouais, les miens, c'était des vieux pneus. Des pneus recyclés. Mais là, question un peu intime, là. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aurait déjà servi comme coussin à dèche? Tu sais, il y en a qui ont des bas à dèche, des serviettes à dèche, mais avez-vous déjà servi de coussin à dèche? Ben, pour être franc, je vais vous expliquer. Quand vous n'êtes pas là, puis que monsieur le concierge vient vers le ménage, ben... Il m'a rien fait à moi, mais... C'est pas juste le ménage. Je l'ai déjà vu faire l'amour à la craque du divan. Vous pensez quoi de vous, du monde, qui vous prennent pour des oreillers? Gang de sales! J'étais un coussin décoratif, je suis pas supposé porter une grosse tête. Non, non. Moi, je suis là pour être beau. Je suis là pour être agréable. Doux à l'œil. Si tu mets ta grosse face dessus moi, là, je vais donner tous tes crapoutis, je serais plus beau. On a déjà entendu parler que vous avez eu des aventures sexuelles avec la lampe de salon. Ben c'était involontaire. C'est que il y avait quelqu'un qui m'a solidement lancé à terre. Ok. Près de la lampe. T'es pas obligé d'en parler. Puis. T'es pas obligé. Tu vas encore pleurer. Les coutures vont fendre, non? Dans votre entrevue, là, dans le 3 jours. Là. Je sais bien, mais depuis l'entrevue... Bon, ça va prendre des magazines 3 jours dans ton dépanneur, Benby.
Mais c'est ça, depuis mon entrevue, c'est que la lampe a sorti son entrevue à elle dans le Écho pas connu. Ah, il va encore être tout tremble, c'est de votre faute ça, monsieur Viking. Hey, je suis désolé, moi, c'est des questions qu'on m'a soumis par... On m'a soumis ça par morse, là, OK? Ah, OK, non, c'était pas aventure sexuelle, c'était... C'était aventure électronique, oui, c'est une lampe qui était une aventure électronique. C'est ça. Vous avez eu une aventure électronique. Là, qui c'est qui a pas payé le bill d'hydro, là? On est chez vous, monsieur Viking, c'est à vous de payer le bill d'hydro. C'est pas moi, je suis juste, je me suis ramassé ici par accident, c'est à cause de Farouco, justement, là. Il a changé de poste. C'est toujours la faute à ça. Mesdames et messieurs, désolé, on n'a plus d'électricité, fait que... J'espère que le stream continue à fonctionner pour vous autres. Nous autres, on ne sait pas, là, on voit rien. Vous autres, les coussins dans Noirceur, comment vous trouvez ça? Ah ben, nous, nos sens sensoriels sont ailleurs que dans les yeux. Noir ou clair, tout est pareil. OK. Je vous vois présentement. Non, touchez-vous pas, là. Je vous vois. Là. Oui. Mais c'est toujours moi à me toucher, là. Désolé. Elzig, on voit tout, là. Pourquoi vous pensez que je me berce? C'est pour cacher que je suis en train de zigner. On voit pas le mouvement de mes bras comme ça. On fait quoi quand il n'y a plus d'électricité? Mais d'habitude, on trouve des chandelles ici. On joue à cachette dans le noir. Ben, la seule place que je sais qu'il y a une chandelle, c'est dans le néant, puis ça me tente pas d'y aller. Non! Oh, ooh, yeah! On est les coussins jazz. C'est ambiance jazz ce soir dans le noir. Hey, le cousin, depuis quand t'as un gun? Hey, fais attention avec ton gun, hein? Pas moi! Non! Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, t'as fait le saut. T'sais. Je peux pas tirer avec un gun, j'suis un coussin, j'ai pas de doigts! Ben non, c'est pas toi qui nous. C'est pas toi qui tire! C'est la situation qu'on t'a foué la radio du cosmos. Je sais pas, la radio. C'est un coussin! C'est moins le monde qui tire sur des coussins sans défense. C'est pas parce qu'il y a une carabine dans les mains qu'il sait se défendre. S'il saurait se défendre, il aurait peut-être pas besoin de carabine. Il compense. Je le sais, mon cousin. Coussin, il a un petit pénis. C'est pas vrai. Je dirais rien parce que c'est pas vrai. Juste des hosties de menterie. Ben, si on te compare à une baleine bleue, t'as un Christy de petit pénis. C'est pas faux. J'assinerais pas ça. Sauf qu'une baleine bleue, elle part en broyant quand elle voit le pénis à Elzig, par contre. Hey, Elzig, qu'est-ce que tu fais de bout sur le bureau? Hein? Oups! Tu vis ça, ce que j'ai dans les culottes, Bono? Ah, boy! Toi, là, Bono, là. La semaine prochaine. La semaine prochaine, si t'as le courage, tu t'oses me battre au trou de cul, me niaiser en plus... T'es un mauvais gagnant, je continue à le dire, t'es un mauvais gagnant, Bono. Puis, la semaine prochaine, au Centre Paul Sauvé, je t'attends sur le ring. Je t'attends sur le ring, Bono. T'es mieux de t'en venir, puis on va régler ça sur le ring. Je t'attends, mon homme. Hey. Merci pour la photo. C'est toi qui l'as, ma bouteille géante de NyQuil? Non, c'est pas moi qui l'a. Oh, je la cherche. Non, moi, je l'ai vendu au pawn shop. Des bébés dans la fenêtre. C'était un coussin de chasse avant. Ouais, puis moi... Les cousins coussins, on a Peter Sacoche, qui est le coussin de droite. Je suis fâché, là. Oh. Quand on berce avec ce corps-là, c'est comme... S-A-C-K-O-S-H. Et bienvenue, Bono. Ils font quoi dans la vie, les cousins coussins? Coussin de tête ou coussin de foudre?
On est des coussins de coin. On est des coussins décoratifs. On n'est pas supposé être utilisés pour vos parties. On est là pour être beau. C'est ouais. Au gros P, peut-être un dessous de bras, un flanc. Un flanc. Ouais. Ouais. Ça, c'est acceptable. Mais le but du coussin décoratif, c'est qu'on y touche pas. On le déplace pas. Il décore le divan. Sinon, on se déforme, puis on est moins beau. Non, puis c'est aussi, c'est pour envoyer le message, là. C'est un divan, là. Fais qu'est-ce que t'as à faire sur un divan, passe à d'autres choses. Oui, puis ce divan-là, il va assez cher. T'es pas fait pour t'asseoir dessus, là. C'est fait pour observer, c'est beau. Non, tu iras faire tes affaires sales, là, dans la chambre, là. Oui, puis si tu veux t'asseoir, va t'asseoir sur une chaise, on le fait pour ça. Non, ça, là, les beaux divans, c'est pour meubler le salon quand on reçoit de la visite. Pour prouver qu'on a du standing, là. Oui, on n'est pas vendu dans le mobilier, on est vendu dans la décoration. De toute façon, là, venez pas me dire, gang d'hypocrites, là, venez pas me dire que vous passez tant de temps que ça sur le divan, là. Vous êtes tous sous vos chaises d'ordinateur à roulette, là. Oui, oui. Ben ouais. Oui. C'est pour ça, eux autres... Comment vous faites pour être aussi hot? Puis deuxièmement, c'est qui votre couturier? Parce que vous avez des belles grandes coutures sur le côté, là. Ben, Toto, il aime bien ça, les belles grandes coutures, comme vous l'avez. Là. Nous, on est un produit importé. Tu sais, on est plus cher que les autres coussins. Tu sais, c'est sûr. Mais, on est importé. Oui, on est de très haute qualité, là. Comme, si je me souviens bien, on est à base de lin, de chanvre. Oh, oh non, on est du monde, on est du coussin fancy, là. Hey, pas des polyester coton, là. Non. Ça, tu iras dans tes magasins de pauvres, là. Tressé main. Oui, comment? Il a poussé de la fonte, là. Show off mon corps. Ah ouais, Zig, il check ça, il rip off, là. Il est prêt pour son combat la semaine prochaine. Challenger, il n'a pas encore répondu, mais il est déjà tout. En tout cas, Zig, il est tout. Ouais. Je suis tout. Il est fidèle au Prost, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Ah, les boys, c'est fait pour ça. Ouais, c'est ça. On est trop fiers, les boys. Pour se laisser faire. La vie comme à la guerre. On est trop fiers, les boys. Mais non, il peut pas enlever sa chemise, là. Je viens juste d'avoir ce corps-là. C'est tout nouveau, tu sais. Salut, Zig. Oh. Allô. Bon. Tu regardes tes seins, toi, là? Non, je regarde le cul. Dans ce temps-là, on sort le boss puis on fait juste jaser. Ou on fait des entrevues avec des coussins. Fait que les... Je vais importer, moi, Mathieu! Importer! Fait qu'on peut résumer le sketch qu'on était rendu. Hey, vos coutures, là, est-ce qu'ils sont faits à la machine ou à la main? À la main. C'est à la main. Ça, je peux le certifier. Là, c'est les mains les plus douces et les plus délicates qu'il ne peut pas y avoir qu'ils ont confectionnées. Moi, j'ai un petit secret. Si tu cherches dans ma rembourreuse, j'ai encore un bout de doigt pour le prouver. Mais c'est un métier très dangereux, confectionneur de coussins. Oui. Vraiment, là, j'ai toute ma solidarité va envers ces personnes qui dévouent Corps et doigts. Pour faire des coussins. Il y en a, là, qui sont rendus au coude, là, pour faire des coussins. Man turns animal. Comment tu veux que le monde compte ça après? Hier, on a écouté un show qui avait une entrevue avec deux coussins.